Ces 24 et 25 mai dernier, le Square Guy d'Arezzo à Bruxelles s'est paré des couleurs de l'Hexagone le temps d'un week-end. Eh bien, le week-end à la française, donc, nous l'avons organisé en collaboration avec les Petites Puces, Juliette et Victor et nous. Et donc ça concerne la promotion de l'art de vivre à la française en Belgique. Donc nous avons des exposants soit d'origine française, soit qui font des produits français. Il y a toujours en tout cas un lien avec la France et il y a quelques petites touches de belgitude aussi sur le marché. Sur fond de musique française, les passants pouvaient déguster des produits typiquement français, vin, pain et fromage étaient au rendez-vous. On y trouvait aussi de nombreuses créations telles que des sacs, tissus et bijoux. Sur les 40 exposants, la plupart étaient français, mais on pouvait aussi rencontrer quelques Belges amateurs de produits de chez nous, comme cet exposant originaire de Tournai. Le principe de la maison, c'est d'aller à la rencontre d'artisans, de fermiers, de maisons familiales en France, en Italie également, mais si bon, on parle plutôt de la France, quoi. D'aller voir comment ces gens-là travaillent, d'apprécier leur façon de travailler, d'apprécier leurs produits, bien sûr. Donc à partir du moment où il y a un accord entre le producteur et nous, on place sur notre site internet et on les représente sur les marchés artisanaux, les salons gastronomiques. Le soleil et l'ambiance chaleureuse du marché ont fait le bonheur des passants ainsi que des exposants. Et je trouve ça très sympathique, c'est agréable, il fait beau, l'ambiance est très douce et ça correspond bien à la maison de couture. Voilà. Une réussite donc pour cette première édition des week-ends à la française organisée par le magazine Juliette et Victor.